Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo pour la découverte de mes créas, pour faire la préparation de son colis. Voilà, donc comme ça t'en profiteras pour me dire s'il manque des choses, parce que je veux absolument pas qu'il manque des choses. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc l'enveloppe, enfin le colis sera envoyé dans une enveloppe, mais là je l'ai pas sous la main. Je suis désolée, mais ça sera très bien emballé, t'inquiète pas, avec ton adresse, etc. Ça sera... Le tout sera dans des sachets zip. Hein. Voilà, donc j'ai entendu dire qu'il t'en manquait, donc tu pourras les récupérer si tu le souhaites. Donc, tu auras le petit pot en verre que tu m'avais demandé. Donc voilà, donc j'ai mis plusieurs papiers, j'espère pas qu'il va se casser. J'espère de tout cœur qu'il ne va pas se casser, parce que ce serait vraiment, je serais vraiment dégoûtée pour toi. Voilà, en tout cas, moi je l'ai bien emballé, j'ai mis 5 feuilles, je crois. 5 feuilles de papier, donc voilà, avec un petit mot que tu as lu, je pense, hein, voilà. Hein. ensuite, tu auras des apprêts, donc tu m'as demandé les 4 petits mousquetons de porte-clés. Donc voilà, hein, donc pas de secret, hein, tu mets ta création ici, et là, voilà, ça te fait un petit porte-clés comme ça. Je te le montre maintenant parce qu'en fait, c'était pas une vidéo où je parlais, celle où j'ai fait la proposition d'échange. Ensuite, les deux petits mousquetons. Voilà. Ensuite, les deux accroches de boucles d'oreilles que tu m'avais demandé. Voilà, argentées, américaines. Ensuite, tu m'avais demandé un petit entonnoir. Donc, pareil, je vais te dire un petit peu à quoi ça va te servir. En fait, moi, je m'en sers pour remplir mes fioles de microbilles. Voilà, au lieu d'en foutre partout, eh ben, tu mets ta fiole, parce que ça rentre pile dans la fiole. Tu le mets et puis tu mets tes microbilles et au moins, ça ne met pas partout. Donc, c'est assez bien, je trouve. Ensuite, tu as ton mètre de cordon élastique noir. Voilà. Ensuite, tu as tes deux bâtons de sucette, donc un noir et un fuchsia. Et tu m'as dit, c'est toi qui choisis la quantité. Et comme je n'ai que cela, tu m'as dit, bah, t'as qu'à rajouter des blancs. Donc, pour les blancs, donc, je t'en ai rajouté 10. 10 petits blancs, au moins, bah, t'as de quoi faire 10 sucettes. Donc, t'as de quoi faire, on va dire. Hein. Ensuite, une canne, donc c'est une canne entière. Elle fait, je ne sais plus combien de centimètres. 4 cm et demi ou 5 cm, enfin dans ces eaux-là. Donc, c'est une petite fleur, enfin pas une fleur, un quartier d'orange, comme tu veux. Tu m'as dit que c'était la jaune, et comme c'était que la seule qui était jaune, enfin voilà quoi. Voilà, donc une canne entière. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, je l'ai achetée toute faite. Voilà, ensuite tu as le petit cupcake en bois que tu m'as demandé. Donc il y en a bien 6 différents. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, recto verso, donc dans un petit sachet autocollant. Ensuite tu auras des petits mots, voilà. Et j'aurai un mot où je t'écrirai des choses. Voilà, des choses personnelles par contre. Donc voilà, fais attention pour ta vidéo. Voilà, et donc... tu auras bien sûr ton petit cadeau, donc que je ne te montre pas parce que tu m'as dit que tu me mettrais une petite surprise, machin, voilà. Donc je ne te le montre pas. voilà, et puis voilà, donc j'espère que ma vidéo t'aura plu. J'espère qu'il manque rien, donc tu me diras en MP s'il manque quelque chose. Voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine.